Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Risque Radar. Notre thématique de ce jour porte sur un sujet abordé dans notre programme de certification CFERM, Certified Financial Risk Manager, qui est un programme de certification complet conçu pour former des professionnels hautement compétents dans le domaine de la gestion des risques spécifiques au secteur financier. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et téléchargez gratuitement la brochure contenant des informations complètes et détaillées. N'hésitez pas également à rejoindre notre réseau sur Telegram et WhatsApp pour bénéficier de plus de suivi. Revenons à notre sujet du jour. Introduction à la gestion des risques financiers. Définition du risque financier. Le concept de risque, de manière générale, peut être défini comme la probabilité ou la possibilité qu'un événement négatif se produise entraînant des conséquences défavorables sur les objectifs et les attentes. Cette notion s'applique universellement à toutes les sphères d'activités humaines, qu'il s'agisse de décisions personnelles, professionnelles ou organisationnelles. Prenons l'exemple d'un objectif commun, vivre en santé et en pleine forme. Les risques associés pourraient inclure des maladies, des accidents ou des choix de vie malsains. En prendre conscience et organiser sa vie en conséquence peut grandement favoriser l'atteinte de l'objectif. La gestion de ces risques consiste donc à identifier, évaluer et prioriser ces risques afin de les minimiser, les surveiller et les contrôler de manière proactive. Le risque financier, quant à lui, se réfère à la possibilité de subir des pertes financières, en raison de facteurs qui affectent la valeur économique, les flux financiers ou la santé économique d'une entreprise ou d'un investissement. Ces risques peuvent émaner de diverses sources, telles que les fluctuations de marché, les faillites, les changements législatifs, les crises économiques ou encore des changements dans les taux d'intérêt. Dans le secteur financier, la gestion des risques financiers est cruciale, car elle permet aux organisations de prévoir et de se préparer aux éventualités qui pourraient compromettre leur stabilité financière. Cela implique des processus détaillés pour l'identification, l'évaluation, la mitigation et la surveillance des risques afin de soutenir la prise de décision et la planification stratégique. L'objectif principal de la gestion des risques financiers est donc de maximiser la valeur d'une entreprise en minimisant les risques financiers auxquels elle est exposée. Cela requiert une compréhension profonde des produits financiers, des marchés sur lesquels l'entreprise opère, ainsi que des outils et des stratégies de mitigation des risques disponibles. Dans le cadre de ce manuel pour la certification CFRM, nous explorerons en détail les différents types de risques financiers, les méthodologies pour les évaluer ainsi que les stratégies pour les gérer efficacement. Cela permettra aux candidats non seulement de comprendre les fondements théoriques, mais aussi de développer les compétences pratiques nécessaires pour naviguer avec assurance dans le domaine complexe de la gestion des risques financiers. Distinction entre risque et incertitude pour être un gestionnaire de risque efficace dans le secteur financier, comprendre la distinction entre le risque et l'incertitude est fondamentale. Cette compréhension permet non seulement de mieux évaluer les menaces potentielles, mais aussi de développer des stratégies plus robustes et adaptatives pour les atténuer. Le risque est caractérisé par la possibilité de quantifier la probabilité et l'impact des événements futurs. Cela repose sur des données historiques et des modèles statistiques qui permettent de prévoir avec une certaine assurance les pertes potentielles. Par exemple, dans une banque, le risque de crédit peut être évalué en utilisant des données sur les emprunteurs précédents pour estimer la probabilité de défaut de paiement d'un nouveau client. L'incertitude, en revanche, survient dans des contextes où les informations nécessaires pour évaluer les résultats sont inconnues ou incomplètes. Les événements incertains ne peuvent pas être mesurés ou prévus de manière fiable avec les données existantes. Un exemple typique est l'introduction de nouvelles réglementations financières, dont l'impact global peut être difficile à prévoir pour les banques et les compagnies d'assurance. Exemple concret dans une banque Le risque. Le risque de marché, comme la fluctuation des taux d'intérêt, peut être évalué en utilisant des analyses statistiques basées sur des tendances historiques. La banque peut ainsi calculer la volatilité attendue et prendre des mesures pour couvrir ce risque. L'incertitude L'émergence de technologies financières disruptives, FinTech, représente une incertitude. Bien que la banque sache que cela affectera son modèle d'affaires, elle ne peut pas quantifier précisément comment ou dans quelle mesure sans données historiques sur lesquelles s'appuyer. Exemple concret dans une compagnie d'assurance Le risque. Le risque associé aux sinistres d'assurance auto peut être quantifié à partir de l'historique des sinistres, permettant à l'assureur de fixer les primes en conséquence. L'incertitude. Les impacts du changement climatique sur les événements météorologiques extrêmes introduisent une incertitude. Les modèles historiques peuvent tout ne plus être fiables pour prévoir la fréquence et la sévérité des événements futurs, ce qui complique la tarification et la gestion des risques. Importance de la distinction La capacité à distinguer entre risque et incertitude est cruciale pour plusieurs raisons. Prise de décision éclairée. Comprendre quelle situation relève du risque ou de l'incertitude aide les gestionnaires à choisir les outils et méthodes appropriées pour prendre des décisions éclairées. Le risque peut être géré par des techniques quantitatives, tandis que l'incertitude nécessite souvent une approche qualitative impliquant flexibilité et innovation. Stratégie de mitigation. Les stratégies pour atténuer le risque sont souvent bien définies et basées sur des modèles éprouvés. En revanche, l'incertitude exige des stratégies plus adaptatives et prospectives, comme l'élaboration de scénarios multiples et la préparation à des réponses flexibles. Confiance des parties prenantes. Une bonne gestion des risques et incertitudes renforce la confiance des investisseurs, régulateurs et clients, car elle démontre que l'entreprise est préparée à faire face aux défis financiers, qu'ils soient prévisibles ou non. À retenir Distinguer efficacement entre risque et incertitude permet aux gestionnaires de risques financiers de développer des compétences et des systèmes de gestion qui non seulement protègent l'organisation contre les pertes potentielles, mais aussi assurent sa durabilité et sa croissance dans un environnement économique en constante évolution. Merci pour votre attention. Rendez-vous au prochain sous-module.